Salut, c'est Seb. Nouvelle vidéo, on se retrouve sur eRacing. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo dessus. Donc on continue le championnat en Skip Barber. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il doit y avoir 11 tours sur Suzuka. Me suis qualifié 3ème. Moi, je sais pas si à l'écran ça se voit très bien. Là, je suis en train de filmer avec mes 32 pouces. C'est ma deuxième tentative, la première autant vous dire. Ah bah voilà, et voilà, l'herbe, et voilà. Je vais jamais y arriver, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est quand même dingue ça. L'erreur de débutant. En direct. Ouf, gros carton là. Bon, ben, comme d'habitude, hein, la remontada, on va essayer de faire mieux. Les pneus ne tiennent plus rien du tout à cause de ma sortie. Il va falloir allier entre performance et sécurité. Donc ça va pas être simple, c'est une nouvelle course qui commence. Mais bon, autant que ça m'arrive au début, comme ça au moins on va dire que je suis tranquille, il n'y a plus qu'à. On dirait que j'aime bien me mettre en difficulté. Allez, je suis 11ème. Ah, un crash, attention. Je vais pas vous l'apprendre, hein, il faut jamais abandonner une course. Déjà parce qu'on perd énormément de points, en tout cas sur eRacing, mais en plus parce qu'il y a toujours moyen de remonter. Et essayer de rester concentré. Thank you.
J'en reviens pas de ma petite touchette là, enfin touchette là, ma sortie sur l'herbe là. C'est quand même dommage, ça promettait une belle bagarre avec le podium. Hop. On va essayer d'oublier ça. Là, il y a du monde devant, on lâche rien, je vais être 9ème. Enfin, le podium, ça va être dur. Peut-être un top 5. Allez, gauche, droite, tu te mets où? Derrière, de toute façon, il est plus rapide, il était quatrième à la base, donc... Ouais, je me suis planté là sur le freinage. Du coup, il est derrière et il va me reprendre là-bas, dans la ligne droite. Vraiment un problème de vitesse de pointe. C'est pénalisant. On ne prend pas la grande, ça va finir mal ça. Thank you.
C'est bon, on rattrape ceux de devant. Petite bataille m'a pas trop fait perdre de temps, j'ai l'impression. Le 7ème, il a moins de 3 secondes. Allez, on est 5 là devant. Je suis pas convaincu que ça va se passer propre. Allez, c'est loupé. Comment l'aborder? Lui faire peur? Il est plus rapide, vous voyez. Il est plus rapide. Alors là, que faire? Je préférais lâcher, même freiner. Sinon, je partais sur l'extérieur. Donc.
Ah, il reste 5 tours et je suis toujours 10ème. Pas moyen de trouver l'ouverture. La partie sinueuse, je suis pas mal. Dès que je reviens, je peux rien faire après. Donc allez, lui il est parti tout seul. Ah, j'ai pas le choix, il faut que je me montre. À lui à lâcher là, à lui à lâcher. Il est plus rapide, hein. Je devrais remonter, j'espère qu'il va rien tenter. Dommage cette pièce de pointe en très très faible. Je reste. Il a du mal. Hein. Il zigzag le coco. Que je refais, je me remets à gauche. Si j'arrive là-bas, je vais me mettre à gauche. Je vais mettre la pression. Allez, encore une fois, je suis mieux ressorti. Il me reprend avec sa vitesse de pointe. Ah, il a pas mal joué le coup. Ouais, bien, touche pas grand, c'est bien. C'était limite tout ça. Ah non, reste là, je vais te prendre. Et je suis à l'intérieur, donc autant te dire.
tente rien. Belle bagarre, il faut rester propre jusqu'au bout, comme moi je l'ai été jusqu'à maintenant, toi aussi. C'est dommage de gâcher tout ça. Alors, on est 9e, peut-être 8e vu que je l'ai passé. Sorti. Moi je reste là, tu peux te mettre où tu veux. Je reste là et je vais freiner. Je te préviens tout de suite. Ah, c'est un coup à toi quoi moi. C'est... pas évident. Ah, je sais pas trop comment l'appréhender là. Il est encore là. Jusqu'au bout, ça ira comme ça, je pense. Je le sens mal si toi, ça va finir par s'accrocher. J'ai pris un petit peu d'avance, il faudrait que j'arrive comme ça jusqu'au bout. T'as trop de retard, grand. T'as trop de retard. Ah, j'ai pas lâché là. Là, je suis à l'intérieur, autant te dire, je vais pas bouger. Allez, là il devrait pas me prendre, à moins qu'il se jette comme un fou. Dernier tour.
Ah, il le sait aussi que c'est son dernier tour, sa dernière chance. Et c'est juste pour gagner une place, alors entre nous. Je pense qu'il va quand même mesurer un peu le risque qu'il pourra prendre. Allez, 6 dixième. C'est que là, dans le double droite, il va me reprendre. Il est plus rapide. Ah, il marque un peu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à gauche ou pas? Comme tu veux. Ah, il sait que je suis là. Ah, je suis devant. Très vite fait, il est juste là. Et là, bah, faut pas qu'il aille trop large non plus. Lui. Oh, moi j'ai un peu juste. Il est là, je suis encore à l'intérieur. Allez, pas de bêtises. Ça devrait passer, ça devrait passer. 8ème. Ouh là 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 là. Ah oui, je joue pas le podium, je joue pas la première place. Je suis au milieu de tableau. Mais alors, quel kiff. Le gars est resté propre jusqu'au bout. Merci à lui. Ça a permis de faire une superbe course. Et pourtant, sur ce circuit là, c'est pas forcément évident. Alors, je dis, hein, je me répète. Sur ma chaîne, vous verrez pas forcément des bagarres pour le podium ou autre chose, mais à mon niveau, je m'amuse bien. Et encore la preuve cette fois-ci. Alors, des fois, il y a des courses de merde sur iRacing, comme sur toutes les autres simus, et des fois, c'est juste trop top. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à une prochaine. Salut à tous!